au trésor. Il nous faut un chef de guerre pour les combattre. Va dans l'autre monde. Trouve-le. Et ramène-le nous. Notre destin est entre tes mains. Une maman, c'est chaud comme une mitaine qui aurait pas de trou. En plus, la mienne, elle est belle. Très belle. Tous les mots qu'elle me murmure, c'est comme des odeurs de parfum qui m'enivrent la tête et m'étouffent le cœur. Ses petites mains, elles sont faites pour la caresse. Et ses yeux pour la tendresse. Et quand elle vient dans ma chambre, pour le dernier baiser du soir, elle me prend alors tout contre elle. Elle me raconte une belle histoire. Et lorsque mes yeux se voilent, ma mère, délicatement, dépose un doux baiser sur le front de son enfant chéri. Moi. Bâtard. Petite ordure. Portrait de son père tout croché. J'irai dans la main, faudrait qu'on lui dire merci. Feignasse. Nuisible. Moi, les nuisibles, je les crève à coups de talon. Oh oui, va. Traîne cul. Il est jamais là comme un bzad, lui. Je suis la maman. Non, 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 gamin, dormez ça, mon ange. Il fait froid. Ta petite maman, elle aimerait tellement se réchauffer. Tu l'aimes bien, ta maman, hein? Eh ben, regarde, mon fils, elle est vide. Alors, sans vouloir te commander, tout en t'amusant, tu pourrais peut-être en rapporter une petite bouteille à ta maman chérie. Mmh. Discute pas, hein? Discute pas, que je te dis. Ah! Obéis! Avec quoi je la paye? Avec ton cul. Puis t'avise pas de rentrer sans la bouteille, parce que sinon, je te crève, t'entends? Je te crève! C'est l'heure du thé, capitaine. Alors, monsieur Mouche? Rien, capitaine. Toujours rien. Ah, rien. J'enrage, monsieur Mouche! J'enrage! Il nous faut débusquer le campement de ce foutu peuple de bestioles. Et qu'ils nous disent où se trouve leur trésor. Attention avec le couteau, capitaine, vous allez encore vous couper. Suffit, Mouche! Demain, nous irons en expédition à l'intérieur de l'île. Et nous essaierons de capturer l'une de ces créatures. Nous arriverons certainement à la faire parler. Hein? Vous êtes diabolique, capitaine. Vous êtes terriblement diabolique. Arrêtez de rire bêtement, Mouche. Oui. Et maintenant, laissez-moi seul, voulez-vous? Oui, capitaine. C'est louche. Ce diable de capitaine mijote quelque chose. Si elle échoue dans sa mission...
il n'avait jamais connu son père. Fantastique. Une fée. Une toute petite fée. Je savais que ça existait avant. J'aurais jamais cru qu'elles étaient si jolies. Moi, c'est Peter. Et toi? Tu veux qu'on aille là-haut? À moi. Une de leurs saloperies de Luciole. Nom d'un œil de verre. Un gamin volant m'attend. Ça pourrait contrecarrer mes plans, ça. Voilà donc l'endroit où il se cache. Monsieur Moche! Monsieur Moche! Préparez une embarcation. Nous partons à la chasse. Oui, capitaine! Show that you're alright. Oh, making sure that.